La dernière fois sur Craftcraft, j'avais passé un pacte avec un démon pour retrouver Nino. Le démon m'a proposé un marché, si je lui ramène une offrande qu'il apprécierait, il me rendrait Nino. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. Bon Clem, je t'ai pas fait venir ici pour rien. Jamais, on se retrouve toujours ici d'ailleurs, faudrait changer. C'est mon QG, c'est normal, voilà, bon. Écoute-moi bien, aujourd'hui on va faire un truc assez risqué, j'en ai parlé il y a quelques jours. Kidnapper Flanou, parce qu'elle parle Let's trop mal go. De moi. Quoi, t'as des preuves, il y a intérêt, parce que je kidnappe pas des gens pour rien, et je les tue pas pour rien aussi. Non, t'inquiète, vraiment, elle a forcé de ouf. Attends, cure-dent. Mais c'est mon pseudonyme, d'ailleurs, comment tu veux t'appeler toi? D'ailleurs, tu veux quelle armure, la rouge ou la verte? La rouge. D'accord, bah moi je prendrai la verte. Tu vois, elles sont assorties, c'est cool, c'est pour cacher notre identité. Bah ça ira avec mon pseudonyme. D'accord, vas-y. Bah enfile-la et t'auras un pseudonyme. Bon, moi j'ai pris la verte parce que moi je l'ai pas prise vu que tu m'as forcé de prendre la verte, mais voilà. Tadam, regarde comment on est beau. Mais je suis si belle. Ouais, là on cache nos pseudonymes. Là on cache nos identités là. T'appelles biscotte à la fraise maintenant. Oh non, je le vois pas. Ah bah non, tu le vois pas, mais toi tu vois mon cure dent normalement. Ça me va bien. Ça te va très bien. Flanou se trouve pas très loin d'ici. Elle est au niveau du port de Maros. Je sais pas si tu vois le truc là-bas qu'elle a fait, c'est super moche. Pas du tout, j'ai pas vu. On va aller voir et on va la kidnapper. Et regarde, on va la mettre là-dedans. C'est la prison des méchantes personnes. Ah oui, c'est écrit. Après, je la buterai. Quoi? Allez, on y va. Merde, regarde, Nick, regarde, y'a qui là-bas là? Pour rien. Y'a Soul. Je crois qu'il nous a pas vu. Attends, il nous a pas vu. On va passer par ta maison, ok? Non, mais viens par là, suis-moi, Clémence, qu'est-ce que tu fais? Ça marche ici aussi! Mais putain! Ah non, ça marche pas du tout ça! Je pense qu'on est assez loin, il nous verra pas, on peut courir. T'explique le plan. Dès qu'elle est retournée, moi je viens, je fais. Oh, tu bouges plus, hein, hold up! Et après voilà. D'accord, ok, vas-y. Et moi? Vas-y. Moi je fais quoi moi? Toi tu fais ouais, hold up, ouais. Enfin, gang. Ok, parfait, c'est bon, je fais. Allez, ça. Go. Oh oui, regarde, elle est là-bas, elle fait un champ. Clem, je vais te donner un truc. On va y aller en volant, d'accord? Oh, oui. Ok, tu prends ça et tu double jump. Et sinon, bah tu te casses la gueule, donc tu double jump. Go, saute. Oh, ça marche. Go, on y va. On la chope et on la menace. D'accord, ok. J'arrive pas à descendre. Tu l'enlèves, enlève-le. Je suis tombé. Non, mais... Oh, tu bouges plus, hold up. Tu bouges plus. Attends, deux secondes, il y a mon associé, il va venir. Tu fermes les yeux, tu regardes le sol. C'est un hold up. Oh, tu bouges plus. Mais... Tiens, regarde là, boum, il y a plus de champ. Regarde le mur, j'ai dit. Pas un mur, c'est un arbre. C'est pareil. Écoute, on parle mal au gang des patates. À ce qui paraît, on veut prendre le pouvoir. Flanou, je connais tout de ta vie. Tu vas me suivre. Oui. On va gentiment rentrer chez moi et on va te faire des trucs de kidnappeur. Allez, viens là. Est-ce qu'il y aura une rançon? On peut partager l'argent si vous voulez. Ouais, non, je partage pas mon argent qui est à moi. J'aime trop les sous. On va passer par la maison de, vous savez, la Tademger, la nulle aussi là. Comme ça, on va fausser l'épreuve chez elle. C'est pas gentil, non, ça. Elle est sympa. Elle est nulle hein. Parce que si on dit qu'elle est sympa, après on va penser que c'est la coupable. Cette bouffonne. Bon, j'aurais pas dit ça quand même. Va dans le trou et t'avances. Allez, regarde. Voilà. Et hop, en prison ici, là, allez. Hop, on va en tôle. Mais j'ai rien fait. Et voilà, une mission durement menée, biscotte à la fraise. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Écoute. Okay. Ouais, bon, au moins tu peux voir Kevin. Ah, mais comment tu connais son nom? Parce que Soul Raven me l'a dit. Je m'appelle Titi. Waouh, c'est Titi. Ouais, c'est Titi. Oui. Allez, bon. Moi, je suis Soul. Ouais, et biscotte à frais, c'est Soul. À ce qui paraît, t'as fomenté un plan pour prendre le pouvoir. Donc, Flanou, on déconne pas avec le gang des patates. Là, t'es dans le repère du gang des patates. Et tout ce que t'as vu, bah, tu peux pas partir avec. Écoute-moi, je vais devoir te liquider. Mais non! S'il vous plaît, me tuez pas, je dirai rien. Promis, allez, je dirai rien. On y va, biscotte à frais. Allez, on revient dans 5 minutes, te liquider, à plus. Maintenant que j'avais capturé Flanou, je pouvais la donner au démon. Sauf que je me suis dit, si un membre de la communauté disparaissait, j'allais avoir de très gros problèmes. Et au même moment, une enfant perdue est arrivée au village. Et c'est là que j'ai eu une idée incroyable. Dans un premier temps, je me suis dit que j'allais l'offrir elle au lieu de Flanou. Et je me suis dit que j'allais faire accuser Flanou de l'avoir offert au démon. Mon plan était parfait. J'ai donc réuni tous les villageois de Craftcraft pour une réunion exceptionnelle. Pour parler de ce qui se passe sur Craftcraft et commencer mon plan machiavélique. Je suis celui qui se cache dans la nuit et qui opère le jour. On m'appelle Batman! Wow! Je suis Batman! Batman! Merci de vous être regroupé ce soir pour ce super événement. J'ai beaucoup de choses à dire parce que il y a eu des trahisons, des meurtres et des disparitions. Et d'ailleurs, vous avez tous vu mon nom, je m'appelle Batman. C'est pas pour rien, c'est parce que je suis le justicier de cette ville. Ouais, à la guilde des aventuriers. Et on va parler de tout ça parce que là, ça commence à devenir un peu trop grave à mon goût. Et je suis censé être le maire temporaire, donc je vais agir. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Mais bon, oui, monsieur le maire. Je vais me mettre sur la table. Hein. L'heure est grave. La communauté vit toute seule et ça c'est bien. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que j'ai pris la parole, c'est-à-dire littéralement une semaine et demie. Flanou a disparu. C'est pas plus mal. Hein. Eh ben, elle a disparu depuis 3-4 jours. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Oui. Non, ça fait un moment là. D'accord. Personne, tout le monde s'en fout. Vous vous inquiétez pas. Je sais pas. Je pense qu'on peut dire qu'elle est officiellement portée disparue. On a trouvé cette personne. Tu peux venir sur la table, s'il te plaît? Oui. T'es qui toi?
T'es qui? T'es qui? Pourquoi t'es là? En fait, j'ai cogné la tête et je me rappelle pas et j'ai trouvé votre village. J'ai trouvé Clem, elle a été trop gentille avec moi. Ok, tu peux te rasseoir, tu peux te rasseoir. Cet enfant est arrivé quelques jours après la disparition de Flanou. Merci. C'est peut-être un signe. C'est un signe? L'enfant de la forêt. On la garde, on la dégage du village. Non, je pense qu'il faut retrouver sa famille. En tant que maire, je vais prendre mes responsabilités. Clem, tu vas t'en occuper, voilà. Alors, on a fait quelques missions depuis qu'il y a eu le retour de cette île et de Craft. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Une boule de Noël. Un œil de chat. C'est un œil. Ça ressemble à ça. Exactement. C'est un œil mystérieux. Attends, je la mets dans une cage. Donc, c'est des yeux qui ressemblent aux yeux de Lend. On sait pas encore à quoi ça sert, mais je pense que c'est un lien avec tout ce qui se passe actuellement et la disparition de Flanou. Il y a aussi quelqu'un d'autre. Il y a Nino aussi qui a disparu. Depuis le début de l'aventure, on sait pas où il se trouve. Et je cherche corps et âme. Si vous avez des informations, vous me le dites sans je vous fume. Écoutez. Moi, ce que j'ai envie de dire, des bribes comme quoi le gang des patates est revenu. Il nous lâchera jamais, ce putain de gang. Pitié au secours. C'est vraiment des. Je dois vous dire quelque chose. Il y a deux jours, j'ai fait un rituel pour invoquer un démon pour retrouver Nino. Le démon m'a dupé. Et je sais pas où il est. Il m'a dit que la catastrophe s'abattra sur le village. Non, plus sérieusement, moi je me casse. Je vous laisse dans la merde. Et puis au revoir. Non, mais oui, au revoir. Je me casse pour de vrai. Au revoir, à plus. Si je suis parti si vite de la réunion, ce n'était pas pour rien. J'avais besoin d'une diversion. Quand j'ai accepté la quête du démon, il m'a donné une armure extrêmement puissante. Parce que oui, quand je la porte, je deviens le chevalier noir. De plus, cette armure me donne la capacité d'ouvrir des portails dimensionnels qui invoquent des monstres et des créatures extrêmement terrifiantes. J'ai donc décidé de créer l'apocalypse sur le village pour récupérer l'enfant et l'offrir au démon. Clem, elle réagit c'est plus. C'est quoi un écran? Mais la tape pas. Bah, j'essaie de la ramener à elle. Le fil est tout bleu. Il y a beaucoup d'images sur l'écran là. Protège-la. Essaie de la surveiller, vas-y. Reviens, je vais chercher mon armée de Moloch. Oula, mais c'est un sacré bazar ça. Mais qu'est-ce que. Mais même ici c'est le bordel. Allez, on peut se taper. Mais c'est pas possible. Appelle. Et pourquoi. Moi je reviens et je me fais défoncer la gueule. Moi je reviens plus. Hein. Je voudrais juste un poulet, quelqu'un, un peu de nourriture s'il vous plaît. C'est un peu la tête. L'attaque du chevalier noir! C'est le maire, qu'est-ce qu'il faut en haut? Il peut pas nous aider? Chevalier noir! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais l'enfer! Y'a un chevalier noir qui nous tape! Non, monsieur! Mais qu'est-ce que c'est? Le laissez pas faire! Arrêtez-le! Une bestiole aquatique! Bestiole aquatique! C'est la glace! Elle saute dans tous les sens! C'est insupportable! Livrez-moi l'enfant ou vous mourrez tous! Livrez-moi l'enfant, j'ai dit! J'en ai marre de vous, je vais devoir vous anéantir! Vous allez tous mourir! J'ai trouvé l'enfant! Tiens. Allez là-bas, suivez-moi, j'ai trouvé l'enfant! L'enfant est Yasu, venez, il faut qu'on aille la chercher! Aïe, aidez-moi! Bonjour monsieur le maire, vous êtes revenu? Oh non monsieur le maire, il a un problème! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le maire, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je suis agressé par le cheval noir, j'ai réussi à récupérer son casque! Il est par terre, elle va forcément venir! Quoi, il est où? Il a fui! Mais j'ai réussi à ramasser son masque, il avait pas de tête, c'était tout vide! Tu l'as fait fuir? Je l'ai fait fuir, je lui ai mis des coups d'épée dans la gueule, il a fui! Bah c'est bon alors! Bah c'est bon! Mais tu vois pas comment je suis blessé là? Il s'est passé quoi au village? Dès que j'ai vu qu'il était là, je me suis dit, je vais revenir! L'enfant a disparu? Je sais pas de quoi vous parlez, il est où? Retourne là-bas, on finit la conversation, venez. Ouais. Je pense que j'ai sauvé le village, je sais, vous pouvez me remercier. C'est super. Il s'est passé quoi pendant que j'étais pas là? Il y a eu des routines. Ouais, il y avait le chevalier noir qui voulait l'enfant et sinon... On a pas réussi. Elle est où l'enfant là? Elle est où Clem? Écoutez, on fait des avis de recherche, on trouve cet enfant, on livre l'enfant au chevalier noir et tout va bien se passer. Non, on va voter. Le choix le plus raisonnable. On va voter. Qui veut sacrifier? Mettez-vous sur la table. Je suis choqué. Mais c'est pas par bonté de cœur. On n'a pas le choix. Oui, c'est pas parce qu'on a envie. Écoutez-moi, on vient de se faire agresser par un démon chevalier noir là. On trouve l'enfant, vous blâmez ici et on le sacrifie pour le démon. Parti! Tout se déroulait comme prévu. Les villageois voulaient donner l'enfant au chevalier noir, et l'apocalypse sur le village a bel et bien été créé. À ce moment-là, je savais que l'enfant voulait fuir, et donc, je l'ai un peu aidé. Dépêche-toi, suis-moi. Oui. Suis-moi. Dépêche-toi. Monte là-dessus. Oui. Allez, dépêche, oui. On y va. Je te suis, vas-y, avance, je te suis, je suis derrière. Oui. J'ai donc laissé l'enfant s'enfuir, mais vous en faites pas, tout était préparé dans ma tête. Juste après ça, je suis retourné voir les villageois de Craft, et ils ont abandonné les recherches sur l'enfant perdu. Vous l'avez eu. Elle est là-bas. Elle nous a échappé, elle a tué Furty, elle nous a échappé. Ouais. Le démon, s'il la veut, c'est pas pour rien, on est dans la merde. Tout ça, c'est de la faute de Soul Raven. Vous êtes infâme. On n'est pas infâme, c'est la vie. C'est comme ça. On va essayer de la retrouver. Et puis voilà. En attendant, vous pouvez retourner à votre vie quotidienne du village. Vous en faites. Arrêtez de faire ça. Je vous jure, arrêtez.
Tadam, on est arrivé. Moi, je pars. Mais c'est ça, tout va bien se passer. Regarde, c'est ça ta nouvelle maison. Il y a Clem. Je lui dirai de venir passer te voir, mais il faut que tu sois discrète parce que si les autres te trouvent, ils vont voir te tuer. Ah, je sais pas m'occuper des enfants, moi. Tadam, c'est assez petit et vétuste, mais c'est ton nouveau chez toi. Clem, elle vient quand? Quand elle pourra. Moi, je viendrai, je passerai tous les jours, ok? D'accord. Ne t'éloigne pas de la maison. D'accord. D'accord. Ok. Ils vont pas me retrouver, les méchants. Ils vont pas te retrouver, promis juré. Les méchants pas beaux, là. Hein, c'est vraiment eux, les méchants. D'accord. Tiens, je te donne à manger. Allez. Merci. Je reviendrai demain. Ok. J'ai fait tout ce que tu voulais, démon. Maintenant, est-ce que tu peux me faire spawn Nino au milieu, ici, là? Ça serait sympa. Oh, je sens une énergie démoniaque arriver, là. Oui, c'est bon, Nino, il va enfin revenir. C'est quand tu veux, j'attends. Mais wesh. Hein? Quoi? Mais tu fous quoi ici, toi? Mais attends, mais j'étais sur Palladium, là, ça m'a mis là. Mais wesh, frérot. Mais on est où, là, Ninjax? Non! Ma money don't jiggle, it fold. I like to see you wiggle, for sure. It make me want to eat what you were, you know. Why did my Fiat? We have Fiat 6 feet 2 in a compact.